Tu joues jungle ou pas? Je joue un peu tout. Ok, sur tu sais jouer fiddle ou pas? Non. Allez, bah des bisous. Démerde-toi. Mais Trundle, qu'est-ce que tu vas faire avec Trundle en fait? Bah, parce que t'es gank, ouais, quoi, t'es avec gank. Le E. Hein. Ouais, c'est pas dégueu, mais. Ouais, c'est bien le E. Mais au final, t'es au cac quoi. C'est un genre de Skarner chez Ivana, mais en moins bien. Tu fais moins de dégâts après, t'es un peu plus tanky. Ouais. Ouais, mais t'es là pour me coach. Ouais, mais bah, justement, coup, j'ai un avantage. Ton pick c'est de la merde là. J'ai un niveau master contre des platines, ça veut dire. Ouais. Techniquement. Il y a 3 lanes possibles à gank, plus le jungle. Ce qu'il faut, c'est que t'analyses un peu les lanes, tu vois. Parce qu'il y a des lanes. C'est comme... Dis-toi que les lanes, c'est comme les filles. Il y a des filles beaucoup plus faciles que d'autres, tu vois. Et bah, les lanes, c'est pareil. Tu vois, donc regarde un peu les lanes, les match-up, et tu dis, Irelia, Darius, tu vois, Irelia a du CC, mais Darius, il peut faire un double, tu vois. Mm-hmm. Donc du coup, il faut regarder comment ça se passe, tu vois, c'est gankable. C'est une fille, à peu près de ton level, tu peux choper, mais faut faire attention parce que, tu vois, elle est dans une famille où elle a 3 grands frères, tu vois, bah là, qui peuvent te péter la gueule. Je vois par exemple, qu'en bot lane, il y a une fille unijambiste, oui, qui serait assez facile à choper. Voilà, exactement, tu vois, là, il y a 2 filles qui ont pas d'escape, c'est du bébé phoque, tu vois. Donc tu vois, genre là par exemple la botlane, t'as compris, c'est free, tu vois, c'est maternel et toi t'as un grand blouson et tout, avec des sucettes. Ok, mais... Du coup c'est gratuit. Voilà. Là tu rush, attends de claquer ton E. Genre là t'as ton raid, attends qu'il flash pour claquer ton E, genre maintenant. Voilà, parfait ça. Voilà. Ouais, il va falloir que tu flash. Hein. Nickel, parfait. Et limite tu peux rester dans le buisson. Comme une déjà la spéciale Narcus. Ouais, ouais, ça c'est la spéciale. Parce que là, tu vois, genre, imagine que le Darius, pour toi, c'est quoi le Darius? Si tu dois l'imaginer par une fille, c'est quoi? Je sais pas, c'est une fille bourrée. C'est pas une fille bourrée, parce que tu vois, non. C'est Darius, c'est un peu résistant. Grosso modo, c'est une meuf une qui Allemande est au-dessus bourrée. De ta ligue, ouais. Mais qui vient de se faire larguer, tu vois. Donc, du coup, c'est plus facile. Voilà. Là, tu es belle amour là. L'amour dans les fesses. Dans les fesses. Voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça serait cool que tu lui fasses claquer un flash. Ouais, voilà, parfait. Là, tu vois, genre, tu lui fais claquer un flash, c'est parfait. Après, limite, tu peux y aller peut-être maintenant. En passant. Ouais. Il y a peut-être moyen. Ouais. Ah, c'est pas mal. Normalement, il est mort. Ah, c'est bien ça. Mais tu vois, il a tête des bottes en 2. Ah, ok. Les bottes en 2, elles font. T'as fait pêche à la ligne, pêche à la ligne. Je suis un V9 là, t'as vu, j'ai tous les kills. Ouais, t'es un V9. Mais de toute façon, genre, moi c'est pareil dans mes games. Là, je te coach pour faire du 1v9. Hein. Il a son ulti. Par toi. Oh, t'es mort, je pense. Non, il osera jamais. Il faut pas qu'il ait la vision. Main, ta ward, pense à mettre ton trinket comme ça. Ouais. Il va me le prendre du coup. Je pense que le raid c'est mieux. Ah, mais il s'obstine. Hein. Ouais. Mais il a vu que. En fait, là, t'as fait une erreur. Ah, il avait ward. Ouais. Bah, il avait ward et j'ai back. Ouais, t'as back devant lui en fait. Donc. En vrai, tu peux peut-être le tuer. Il est ouais, là, t'as des bots en 2. Je trouve qu'il abuse un peu. Si elle reste un peu, ouais, ok, c'est un singe. Tu limite, tu peux le fla. Ouais. Attends. Ouais, non, pas besoin. Ah, oh, c'est bien ça! Flash particulier. Ouais. Ok, nickel. Essaye de le KS. Hein. Ah, faut que tu. Ouais. Bon, là, tu vas peut-être mourir. T'as joué aux échecs ou pas? Vite fait. T'as joué Sims ou pas? C'est quoi le rapport? Aucun. Il te déteste. Tu peux y aller, hein, je pense. Non, mais je manque de mana. Ah, ok, y'a pas ni bien. Ouais, fais gaffe. En fait, c'est un trap. Non, ça va, y'a mon support. Okay. Ouais, mais y'a grand coche aussi. Et il peut y avoir Darius. Oh, un coq. Merde. Le ulti, il est mort là. Ah, mais j'ai pas de mana pour lui. Ouais, ouais. Mais attends, tu vas mourir. Un coq. Ok. Ouais, bon. Prépare-toi à mettre ton ulti. Ouais. Juste pour. Ah, ouf! Ça, tu t'en sors. Une auto, je suis mort. Oh là là, tout était prévu. Ah, là, tu derpes. Mais quoi? Ah, tu vois, après, tu t'es dit, tiens, je vais aller tu vois, je vais aller dans ma jungle. Et t'as peut-être perdu 20 secondes. Et ces 20 secondes, bah, peut-être que. Que je retrouverai jamais. Voilà. Peut-être, tu vois, ces 20 secondes, ça va te permettre de finir cette game 30 secondes après. Du coup, tu vas quitter les locaux de DC 30 secondes après. Et la meuf que tu kiffes, elle va passer dans la rue 30 secondes avant. Et tu la rencontreras peut-être jamais. Tu vois, là, t'as peut-être raté l'amour de ta vie. Tu te rends compte un peu ou pas? Tout ça parce que tu te balades c'est comme triste. Un con. Bah là en fait, là en vrai, bon tu vois, t'as fait 2-3 erreurs, mais t'es limité par ton champion et t'es limité par tes mates quoi. Ouais. Tu vois? Genre si t'es juste limité par tes mates, y'a moyen. Là t'es limité par deux choses quoi. Enfin tu vois, y'a un moment où c'est chaud quand t'es limité par deux choses. Comme dans la vraie vie, tu vois. Ouais. Enfin, bon. Si t'es pas musclé et que t'as une tête de cul, tu vois, c'est chaud. Alors que tu vois, si t'es musclé ou si t'es beau gosse, sans muscle.
tu peux t'en sortir. Excellent, tu vois. Excellent. Non mais tu vois ce que je veux dire, genre. Ouais, ouais. Mais tu vois, si t'as les deux, c'est chaud. Et ben là, c'était pareil, tu vois. Il y a ton champion, t'es là en mode bon, c'est chaud, frère. Et voilà. Genre, si t'es moche avec un corps de lâche, c'est un peu ton trundle, quoi. Tu sais, après, tu peux te faire PL par l'argent, tu vois. Tu peux te faire PL par plein de trucs. Non, mais voilà. Eh, ça fait deux fois que tu meurs parce que tu regardes autre chose. Non, mais. T'es mort une fois de la Jinx parce que tu te Non, mais là, c'est n'importe quoi. Là, rien. Ouais, enfin, tu vois, genre, t'as aucun potentiel d'impact, quoi. Genre. Et tu vois, à part te prendre des coups, bon. Moi, je suis bon pour ça. Ouais, mais le délire sadomaso, tu vois, genre, dans LoL, c'est pas. Ça aide pas. Ah, c'est pas ouf en fait. Ok, je retiens. Tu vois, genre, c'est sympa. LOL, en team, c'est bien. Tu vois, en team, il en fout. Tu vois, genre, mais en fait, c'est pareil dans la vraie vie, tu vois. En team, pourquoi pas, tu vois. Genre, si t'es avec trois filles ultra fraîches, tu te dis pourquoi pas, tu vois. Mais bon, tout seul, tu vois, c'est pas ouf d'être sadomaso tout seul. Tu vois, c'est un peu chelou. Genre, imagine dans ta chambre tout seul à te taper et tout. Genre, il y a un moment, ça marche pas, tu vois. Alors qu'en team, bon, avec des mates et tout, pourquoi pas, chacun fait sa vie. Bah voilà, t'as quoi comme rune avec Shyvana? Ah. Full attack speed. Full attack speed? Ouais. Ouais. Non. Après, genre, quand tu me dis attack speed, c'est quoi? C'est de la vitesse d'attaque. Merci. Donc là, en fait, tu vas être un go muscu, tu vois. Pendant 10 années de ta vie jusqu'au level 7-8, tu vas être moche. Et après, tu vas sortir full pec et tu vas choper tout le monde. Tu vas investir toutes les filles. LOL, si tu veux progresser, il y a 3 cases. La première, c'est la compréhension du jeu. Ça, c'est 30% d'une game. Après, il y a ta compréhension du champion. Ça veut dire quel build faut faire, comment le jouer, qu'est-ce que tu peux faire avec. Après, il y a 30%, c'est un peu tout ce qui est hors de jeu. Là, tu vois, par exemple, t'es en stream, t'as un connard qui te parle, on a vu dans la game, t'es pas focus. Et le dernier truc, bah, c'est un peu le côté aléatoire, tu vois. Il y a 30% où c'est tes mates. Ouais. Tu vois, en mode... 30%. Ouais, 30-20%, tu vois. Genre, si tes mates sont des singes, c'est chaud. Sardosh, il m'a dit que c'était 120%, ça. Oui, mais en fait, le truc, c'est qu'il faut bien comprendre que ça, tu vois, genre toutes les catégories, ça représente un truc. Mmh. Sardosh, en compréhension du jeu, il est à combien? Tu vas me le dire. Sur 30%. Non, mais dis, moi, j'ai pas envie de faire des dramas. Et moi dis, non plus. Hein. Sardosh, il est à combien sur 30%? On demande au chat. Demande-moi au le chat. Le chat, il est à combien, Sardosh, sur 30% au niveau compréhension du jeu? 17. 17. Voilà, c'était Sardosh, il est à 17% de compréhension du jeu. Genre là, sur ta première session, dis-toi que Shyvana, ça a aucun potentiel de kill. C'est comme si t'étais roux, pas du tout musclé, pas du tout d'argent. Tu vois, pour choper une vie, c'est chaud. Non, mais tu sais que c'est chaud, en vrai, avoue. Tu vois, oui, c'est jouable. On a tous été roux. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Genre, tu peux ganker, mais il faut toutes les circonstances réunies. Genre, la fille soit bourrée, tu vois, qu'elle soit droguée, tu vois, que voilà. Mais là avec Shyvana c'est pareil, tu vois, pour gank, surveille un peu les lanes, tu vois, comme un peu un petit vicieux qui essaye de choper une fille. Coup, mais t'as jamais été pervers sexuel toi? Si si, ça m'est arrivé. Bah alors, j'ai du coup tu vois genre, prison. Si la fille tu sais qu'elle habite à gauche, tu vas pas l'attendre à droite, tu vois. Et ben le carabateur c'est pareil, tu vois, faut anticiper okay, le mouvement. Et là après, tu vas avoir ton level 6, tu vas avoir ton bleu, et là tu vas commencer à casser des culs. Tu vois, là t'as commencé à faire des petits muscles, et t'as des petits muscles, ils commencent à être visibles, tu vois. C'est pas des muscles de ouf, hein. Tu vois, t'es pas encore le derrière, t'es plutôt étal, tu vois. C'est, il y a un début. En moins toxique. Voilà. Genre si tu vois qu'il y a une lane qui te domine, bah tu peux te dire c'est facile. Là, va dans cette jungle là. Ouais. N'hésite pas, tu sais, à ward un peu plus deep. Bah, tu peux lui voler. Ouais. Là, tu peux tap, hein. Tu peux la défoncer. Hein. Claque ton smite. Non, un contre un, tu la défonces. Hein. Claque ton ulti. Ah. Oh là là. Et après, fais gaffe à la décale. Ouais, barre-toi. Faut comprendre, Shyvana, c'est comme la muscu. Tu vois, là, t'as fait assez de muscu pour choper des filles. Ça sert à rien de rester à la muscu, tu vois. Sauf si t'aimes les hommes et tout, comme JBZZ. Mais là, achète, ouais. Genre, j'ai pas de mana, en ouais. Plus, buff, attends d'aller au cac sur elle et tu vois, genre, ok, ouais, elle a un flash. Claque ton W1. Ouais, les skill shots, mec. Parce que là, en fait, il y a le flash. Ok, ça va. Là, push à la lane. N'hésite pas à claquer ton W1 pour aller plus vite. Oh là, il est malade! Ouais, il est un singe. T'as vu, j'ai raté mon reset de toi. Ouais, c'est pas grave. Là, pêche encore une vague. Voilà, tu commences, tu vois, genre là, tu commences à ressembler à quelque chose. Ouais. Si. Je pense qu'il y a Orianna qui va venir du tribush. Ah ouais. Voilà. Ouais, garde toujours ton smite en fait, au cas où est le flash. Parce que là, du coup, tu vois, ton flash. Enfin, ton ulti, t'as servi limite à rien. En fait, j'ai appuyé sur tous les boutons. En fait, je voulais smite et j'ai appuyé sur R en même temps parce que j'ai des gros doigts. Ok, donc en plus du coach en jungle, il faut des coachs de coordination mentale avec les doigts.
il me faut beaucoup de choses. Ah, ok. Ça, ah ouais. Par contre, prends le bleu, hein, genre. Ah bon? Oui, bah oui. Bah, j'ai déjà le mien, quoi. Oui, mais on s'en bat les couilles. Ok. est-ce que toi, tu sais que tu peux invest 9? Ouais. Est-ce que tu sais si la Jinx c'est un tard ou pas? Ouais, mais je lui fais confiance. Oui, mais non, en fait, jamais, équipe. Jamais faire confiance. C'est mon allié et je l'aime. Oui, mais non, en fait. L'amour est dans le pré, l'amour est dans le gaming, c'est bientôt sur Eclipsia, mais c'est. Tu fais quoi, j'ai ulti d'ici? Ouais, ouais. Claque ton smite. Voilà. Ton sablier. Bon, t'as juste balancé ton cul dans sa riposte. Ouais, voilà. Ah, voilà. Bah, je le défonce, hein. Ça, le problème, c'est que. T'as BOTRK. Ouais, je pense pas trop à ta BOTRK. Non, pas du tout. Quelle est leur source de dégâts et qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Tu as plutôt un rendouin là. Un rendouin, c'est pour les PD. Ah ouais? Ouais. T'aimes pas? Ils ont fait une étude Rio Game. Mm-hmm. Donc voilà. Les gens qui prennent Rendouin sont pédés en général? Oui, ouais, 80% de la population qui prend Rendouin sur LoL est pédé. T'aurais peut-être pu. Nash. 10-3, je suis quand même content. Oui, mais non, mais alors ça, non. Ça, 10-3, tu vois, c'est comme si tu finissais top 3 à un tournoi, il y a 4 équipes, tu vois. Ok, t'es content parce que t'as défoncé Sardoche, mais au final, ça reste de la merde. Tu vois? Excellent. Genre là, t'as fait 10-3-2. C'est bien! Mmh. Tu peux te auto-sucer et tout, waouh, t'es trop fort. Mais 2-1, t'es pas premier aux dégâts parce que t'es mort 3 fois. Et les 3 fois, pourquoi t'es mort? Parce que t'es un singe. Je suis sûrement premier quelque part. Tu vois? Donc là, grosso modo, niveau Drake, bon, t'as fait parfait. Niveau farm, t'as à combien de farm? T'as vu, je suis premier aux dégâts subis. Ouais. Je suis à 132. Oui, tu vois, genre. Enfin, tu vois, là, t'as pas trop farm parce que t'as mis beaucoup de gank, ouais. Mais t'as pas trop gank parce que voilà, donc ça c'était parfait. Là, le truc c'est juste t'es mort, c'est singe, ouais. Singe lord.